L'heure est grave. Une nouvelle conjonction des sphères a eu lieu, et de nouvelles créatures sont apparues dans les royaumes du Nord. Malheureusement, il ne reste qu'un sorceleur encore en vie pour faire face à ce travail titanesque. Et ce n'est pas assez. C'est pour cela que nous souhaitons ouvrir une nouvelle école, pour former la prochaine génération de sorceleurs. L'école du Phénix. Dans cette école, nous vous apprendrons à différencier chacune de ces créatures, les techniques de combat les plus adaptées à chacune d'entre elles, les légendes qui les entourent, ainsi que leur localisation. La fabrication d'huile et de potions pour faciliter vos combats. Et, venant d'un autre monde, je vous parlerai des créatures similaires qui peuplent les légendes de là d'où je viens. Mais pour ça, nous avons besoin d'or. L'école du Phénix est une fan-série émission inspirée de l'univers de The Witcher, ayant pour but de parler de créatures de légende comme je l'ai déjà fait sur la chaîne. Mais plutôt que de faire de simples vidéos en face caméra, je vous propose un concept de vidéo fictionnelle, encore différent de ce que j'ai fait avec la Révolution des démons, où vous pourrez apprendre tout ce qu'il faut savoir pour devenir un bon sorceleur, tout en découvrant les légendes de créatures de notre monde qui ont inspiré la licence. Durant 12 épisodes, vous suivrez des cours donnés par 4 professeurs ayant chacun leur spécialité, mais aussi des tranches de vie, ainsi que la recherche d'anciens écrits afin de redécouvrir comment créer des sorceleurs, la méthode ayant été perdue après la disparition des anciennes écoles. Afin de mener à bien ce projet, je lance un petit financement participatif pour nous aider à acheter du matériel, assurer la logistique, ainsi que toutes les dépenses liées au tournage d'une production, et elles sont nombreuses. Si le projet vous intéresse, vous retrouverez en description un lien vers le financement. Chaque petit don est important, nous comptons sur vous. Merci à tous ceux qui vont suivre cette nouvelle aventure, et sur ce, je vous dis à la prochaine.